date. Là, j'ai encore une face de cul. Jugez-moi pas par ma face de cul. Jugez-moi plutôt par mes belles boules. Ouh, ça, c'est de la boule. Ok, là, aujourd'hui, comment je te dirais bien ça? C'est juste pour ado. C'est la première fois que j'y vais. Je suis genre un doux mélange, genre de l'excitation, du stress, une bonne envie de chier. En fait, quand je suis stressée, je fais souvent des petits pets nerveux. Fait que je risque de faire des petits pets nerveux toute la journée. Et malheureusement, aujourd'hui, ils ne sont pas la rose, ces pets nerveux-là. Oh non, Christy, j'en ai fait un tantôt. Je te jure, j'ai moi-même failli m'évanouir. Moi, je sais pas vraiment comment que le monde s'habille pour aller là-bas, vu que je suis jamais allée, tu sais. Mais évidemment, j'avais envie de me donner. Fait que je suis allée magasiner, je me suis trouvé un short. Attends, je me suis trouvé un short au Éditorial, genre de magasin que je magasine jamais parce que ça coûte calissement trop cher. Comment je te dirais ben ça? 113$ pour une petite crise de paire de shorts. Regardez, noir avec une grosse ceinture que j'avais l'intention de mettre avec un top léopard. Puis là, j'essaye le kit, puis vois-tu? Ah, j'étais pas bien. Fait que, encore une fois, j'ai l'occasion de me mettre belle, puis je décide de pas être belle, mais d'être mouée, d'être confortable, puis d'être à l'aise. Parce que, hostie que j'ai pas envie de passer la journée dans un hostie short noir qui m'a coûté 113$. Mais là, là, reste que, à part ne pas mettre mon short à 113$, j'ai fait un sondage sur Instagram parce que je suis ce genre de bitch-là. Oui, parce que j'hésitais vraiment entre mettre ma chemise classique, ma classique chemise tigre que vous avez vu souvent, mais est-ce que je l'aime? Ou sinon, j'ai un kit de zèbre plus cochonne un peu. J'ai assez hâte de voir les résultats. Honnêtement, dans le fond de moi, j'espère que ça va être la chemise de tigre. Oh non! Vous avez voté pour le zèbre! Ah, je suis un peu déçue quand même. Ah, je suis un peu déçue. Ben là, Chris Cassesti, si tu voulais pas être déçu, t'avais juste à pas faire un sondage, mettre ta crise de chemise de tigre. Ça aurait pas fait chier personne, mais là, t'as fait un sondage. Fait que t'as pas le choix d'assumer, hein. Aujourd'hui, je vais essayer de vlogger ma journée. Pourquoi donc? Pourquoi donc, Cassandra, vas-tu vlogger ta journée? Eh ben, parce que ma mère ne peut assister au Juste pour ado. Puis je trouverais ça cool d'y montrer ma journée, tu sais. Fait que pour ma mère, on va vlogger aujourd'hui, juste pour ma mère. Pour aussi avoir un petit souvenir de cette journée-là, parce que je vous ai jamais rencontré. C'est comme la première fois que je vais être un genre de meet-up. Fait que là, on attend Gabrielle Marion. Elle va sûrement arriver fucking plus chics que moi. Puis, on y va. Ben, on va se préparer aussi, hein. Veuillez accueillir Cassandra Bouchard! Hello! Fait qu'on va se faire une beauté! Regardez qui s'en vient me rejoindre! Est-ce la belle Gabrielle Marion? J'ai bien le feeling! Oh, voyons, t'es bien belle! Bonjour! On est en route! Gab, quand elle conduit, elle détache son pantalon, la cochonne! Gab, c'est quoi les hôtes qu'on allait prendre un shot avant d'y aller? Oh my god, sur 5! Ok! 3, 2, 1, 2! Yas Queen! Santé! Juste pour ado 2019, check moi bien arriver, bon pète les chums! Coucou! Voyons, est-ce que tu pleures? Oh, voyons, vous êtes tellement cute! Arrêtez, vous n'avez pas à pleurer! Ok, vous êtes tellement malade, what the fuck? Ok, qu'est-ce que je vis, genre? C'est juste un peu plus genre. Voyons! Arrêtez, je vais être sépine, mais si ça continue. Nous, dis-nous quelque chose de romantique. C'est sûr que c'est vrai que la romance, ça part de l'union entre deux personnes qui s'aiment du plus profondément, ouais. qui vont se faire confiance avec les ouais. mains, qui vont créer des moments doux pour l'être cher. Ah, c'était cool! Bonjour! Bonjour, petit cochon! Il met de l'attention sur le cochon. Je comprends. Zèbre maintenant. Comment tu te sens juste pour ado? Ça fait 5 minutes que je suis là. Je me suis fait dire 5 fois, hey, c'est le chum à casse. Mais je suis rien d'autre que le chum à casse. Cheers to that. Cheers to that. Regardez qui j'ai trouvé! Allô! Trouver une coquine qui fit avec mes lèvres, c'est bon!
va vivre ça ensemble. Je t'aime. Je vais vivre ensemble. Merci, Jean. Y'a trop de vagues!
vraiment t'es pète, man. Je suis capable. Merci. Ok, bye, mes chums. Bye! 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 Santé! Je la sentrai les pas là, alors on l'a pour elle. On va aller dans le spécial, on va aller. Je Hey, c'est la Cassandra du lendemain. Je sors de la douche puis j'avais envie de faire juste un petit retour sur ce que j'ai vécu hier. What the fuck? C'était juste irréel en fait. C'était vraiment vraiment irréel puis je veux juste prendre un petit instant pour vous remercier. Je pense qu'on réalise juste pas à quel point que vous êtes là pour vrai. J'ai sincèrement gardé cette journée-là de ma première journée à Juste pour ado dans mon cœur à tout jamais. Vous me donnez l'opportunité de vivre des trucs qui ont pas de calice de bon sens puis je vais toujours être reconnaissante pour ça puis je suis reconnaissante fois mille pour tout ce que je vis en ce moment. Juste merci. Merci d'être là parce que c'est une chose de vous le dire à la caméra, mais d'avoir pu vous le dire en vrai, c'était tellement une dose d'amour que je vais jamais oublier. Puis juste merci tellement pour vrai. Oh my god, je peux pas finir en pleurant. Sur ce, je vous aime en tabarnak. Puis est-ce qu'on va en vivre des belles choses? Ça n'a pas de fucking sens. Aucun fucking sens. Ok, bye, je vous aime.